Bonsoir à toutes et à tous, puisque le bonjour habituel n'est pas de rigueur ici. Nous sommes à Singapour, dans la mégapole, pour vivre ensemble le premier Grand Prix de cette tournée asiatique avant de partir pour la Malaisie. Enfin, Suzuka au Japon, nous nous arrêtons donc dans les rues de Singapour avec au programme de ce Grand Prix, eh bien, la nuit qui va accompagner les pilotes et les photographes tout au long des différentes séances d'essai libre et de qualification. Je suis ravi de vous retrouver pour vivre ensemble un nouveau Grand Prix de cette rebondissante saison 2017. Il y a eu pas mal de bagarres du côté de Monza avec un duel absolument incroyable entre Stoffel Vandoorne d'un côté et Sébastien Vettel de l'autre. Mais ne perdons pas une seconde de plus avec le passé. Plongeons-nous dans le présent puisque la première séance d'essai libre vient de débuter. Vous le savez, elle est allouée aux pilotes pour se familiariser avec ce tracé de Singapour et on va, je pense, assister à pas mal de belles choses tout au long de cette 14e course de la saison, 15e déjà, pardon, ça passe très vite, Monza c'était déjà la 14e. Pas de pluie annoncée pour ce week-end, on sera sous un ciel dégagé ici à Singapour, ce qui est toujours une bonne chose. Et on découvre donc cette piste urbaine extrêmement technique aux côtés de Stoffel Vandoorne, désormais bien installé en tête du championnat après un Grand Prix de Monza qui n'a pas fortement souri à Fernando Alonso, qui a subi des soucis moteurs. Alors on ne sait pas du côté de Honda ce qui s'est passé pour l'instant. La solution a été trouvée, pardon, mais elle n'a pas été précisément expliquée au grand public. De notre côté, on a été un peu mené notre enquête du côté de Stoffel Vandoorne, qui n'a malheureusement pas pu nous en dire plus sur cette situation. Sachez par contre que McLaren est un petit peu en stress, comme on dit, très angoissé ce week-end parce qu'il fait très chaud, comme c'était le cas à Monza, énormément d'humidité. Et on craint justement pour les moteurs. Alors on espère que tout va bien se passer, bien entendu. Pas mal de blocages d'euros pour Stoffel Vandoorne, qui à l'issue de cette première séance d'essai libre aura déclaré que la voiture était très compliquée à gérer au niveau du train avant. Il a passé beaucoup de temps à tenter de la régler, cette voiture. Mais vous le voyez, finalement, c'est même en allant jusqu'à taper contre les murs que va se terminer cette séance d'essai libre 1. Et des contacts avec le mur, on risque d'en voir beaucoup ce week-end, vous le savez. Et les pilotes vont avoir fort à faire avec les nouvelles voitures pour essayer de se placer convenablement par rapport aux murs qui sont toujours de plus en plus proches au fur et à mesure des séances tout au long du week-end ici à Marina Bay. Premier chrono terminé pour Stoffel dans cette séance d'essai libre 1 et on va d'ailleurs jeter tout de suite un coup d'œil au classement de cette première séance avec Fernando Alonso sur le haut du tableau devant Sébastien Vettel. Lewis Hamilton suit et derrière on voit que les pilotes ont pu évoluer soit en pneus soft soit en pneus super soft. Vous l'entendez à la radio, Jeff qui explique à Stoffel Vandoorne que si ça ne va pas mieux, eh bien on pourra relancer le programme puisque pour l'instant la McLaren est très capricieuse dans cette deuxième séance. Alors on n'est pas comme habituellement au vendredi après-midi, mais on est dans la nuit de vendredi à samedi. Et regardez, c'est un nouveau contact qui attend Stoffel Vandoorne dans ce tour. Ça ne va pas pour Stoffel Vandoorne dans ce début de week-end. On espère que comme habituellement aux alentours de la qualification il puisse trouver une solution sur cette McLaren, mais pour le moment ça reste assez incertain. Et ça n'est pas un problème spécifique à Stoffel Vandoorne puisque Alonso va également rencontrer quelques problèmes. Regardez le contact avec ce mur, le contact de nouveau face au mur, et Vandoorne s'en sort bien pour le moment. Il n'a pas abîmé sa McLaren, mais la confiance n'y est pas. Il y a quelque chose qui ne va pas ce week-end du côté de chez McLaren, on les sent extrêmement fébriles et ce serait une belle opportunité, pourquoi pas, du côté de Ferrari et de Mercedes de pouvoir remonter un petit peu la pente. Alors il n'y a pas énormément d'écart, même si ça a été de nouveau très disputé en Italie. Il y a eu changement de deuxième au classement général. Ferrari a pu reprendre le pas grâce à la deuxième place de Vettel sur Mercedes. Mercedes qui a eu beaucoup de soucis entre Bottas, Hamilton qui a cassé son moteur. Donc tout le monde est un petit peu fébrile et il y avait énormément de tension avant la première séance d'essai libre tout à l'heure, qui s'est donc bien terminée, vous l'avez vu finalement pour McLaren, avec Alonso qui était assez en avance sur son équipier, même si pour Stoffel ça n'allait pas. Donc vraiment un week-end qui s'annonce assez particulier contrairement à ce que l'on a l'habitude de voir. On dit souvent que Melbourne est une course où la hiérarchie est souvent bousculée. Eh bien on peut, je pense, depuis 10 ans désormais dire que Singapour sera une course où il y a souvent la hiérarchie de bousculer. Regardez, ça ne va pas du tout du côté de Stoffel Vandoorne qui n'atteint pas
l'objectif demandé par l'équipe. Ça n'empêche qu'en pneu ultra soft, c'est malgré tout Fernando Alonso le plus rapide devant Kimi Raikkonen et les deux Scuderia Toro Rosso, les deux Toro Rosso qui fonctionnent très bien ici. Et on va tout de suite passer au résultat de la troisième séance, puisque Stoffel Vandoorne n'aura pas roulé non plus dans cette troisième séance du week-end, donc celle qui s'est effectuée le samedi en début de soirée. Vous le voyez, ça a été compliqué aussi pour Lewis Hamilton qui en ultra soft est très très loin, Max Verstappen aussi. Donc il y a pas mal de pilotes de pointe qui ont souffert et ça donne une hiérarchie pour l'instant assez chamboulée et pas du tout établie. Il faudra pour la première fois depuis le début de saison et Melbourne attendre vraiment la séance qualificative pour déterminer qui sera l'équipe, la structure la plus à même de défendre ses couleurs. Vous découvrez donc les objectifs d'Alonso et de Vandoorne terminés dans le top 5 de cette séance qualificative, ce qui est un objectif assez relevé, notamment pour Stoffel Vandoorne. En ce samedi soir, la séance qualificative se passe sous une tension assez palpable. On l'a évoqué juste il y a quelques minutes avec les images des essais libres. Et ici, eh bien on sent que beaucoup ont à gagner et à perdre, puisqu'on le sait, c'est le premier Grand Prix extra-européen. Et avant de partir du côté de la Malaisie, de Suzuka, qui sont des circuits très très difficiles, certains sont en proie au doute. Alors, on va tout de suite plonger dans la Q1, cette première séance, où vous le savez, il faut se placer parmi les 16 premiers de la qualification pour accéder à la deuxième séance qui, elle, permettra de déterminer qui seront les 10 pilotes qui partiront pour se battre pour les 5 premières lignes en Q3. Vous commencez à connaître évidemment la musique. On se retrouve ensemble à bord de nouveau de la voiture de Stoffel Vandoorne qui nous a expliqué avoir peut-être trouvé une solution, mais il reste très peu confiant avec ses freins notamment. Et une chose que l'on peut constater aussi, c'est que lorsque l'on a les communications radio qui, vous le savez, hein, sont un peu décalées parce qu'il faut le temps qu'elles soient contrôlées par la FIA avant d'être diffusées sur notre antenne, eh bien on se retrouve rapidement avec un Stoffel Vandoorne qui est gêné par son ingénieur qui lui parle souvent en plein freinage ou en pleine courbe et à des moments peut-être inopportuns. Et ce n'est pas la première fois depuis le début de cette saison que le pilote belge se plaignait de cela auprès de Jeff, son fidèle ingénieur depuis 2 ans au sein de l'équipe McLaren, qui d'ailleurs pourrait le suivre si Stoffel quittait l'équipe McLaren. Une transition toute trouvée pour évoquer avec vous les transferts de l'année prochaine. On sait que certains sont sur la sellette, alors il faut de la rumeur à la réalité. On dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On a parlé d'un départ de Kimi Raikkonen de la Scuderia Ferrari, voire de Sebastian Vettel pour remplacer Lewis Hamilton. Pourquoi ? Parce qu'Hamilton déçoit en ce moment du côté de Mercedes. Certes, il n'a pas eu de chance du côté de l'Italie, mais il est quand même sacrément devancé au général par son coéquipier Valtteri Bottas, qui est titulaire de 147 points contre 131 seulement, serait-on tenté de dire, du côté du Britannique. Donc il y a énormément de choses à vérifier. On n'a pas de compromis encore pour l'année prochaine au niveau des transferts. Ce qu'on sait, c'est que il y a au moins un pilote par écurie qui va bouger. Ça, c'est une chose dont on est sûr. La fin de la première séance qualificative avec, vous le voyez, les deux McLaren qui passent, tout comme les Ferrari et les Mercedes, etc. Les deux Williams ont réussi également à s'extraire. Malheureusement, on constatera une nouvelle fois la perte de Max Verstappen en Q1. La voiture du pilote néerlandais qui visiblement ne trouve pas la solution et a de gros problèmes en qualif, mais heureusement, elle peut se remettre en course. Vous le voyez, dans cette deuxième séance d'essai libre, c'est aux trousses d'une Williams que Stoffel Vandoorne va entamer son tour rapide. Et il est décisif parce que le pilote belge peut peut-être espérer passer en Q3. Mais avec les performances affichées depuis le début du week-end, il est obligé de s'élancer en pneus ultra soft. Alors on n'a pas parlé non plus des gommes allouées pour ce week-end. Il y aura donc les pneus soft à bande jaune, les super soft à bande rouge et les ultra soft à bande mauve rosacée, comme vous avez le voir sur ses pneumatiques. Attention parce que Massa, il est juste sur la bonne trajectoire. Il devrait y avoir des drapeaux bleus parce que Vandoorne est en tour rapide. Vandoorne qui va passer. Oh, il s'accroche! I just hit Massa. We're both on the wall. I'm okay. But it was on the right line and I can't avoid this car. This is just ridiculous. Honestly, Jeff, it's ridiculous. Et Massa et Vandoorne qui s'accrochent. Catastrophe pour le leader du championnat. Et oui, Massa qui s'est écarté, mais ça n'était pas suffisant. Et Stoffel doit donc rentrer en scooter. Eh bien, le week-end continue de manière bien dramatique pour le pilote belge. Et ça continue également pour McLaren qui a dû céder une nouvelle pole position puisque c'est Raikkonen qui a été le plus rapide devant Alonso et Vettel. On notera qu'en Q2, on perd tout de même pas mal de pilotes de pointe. On va jeter un coup d'œil finalement à la grille de départ tout à l'heure, mais ça s'annonce compliqué de terminer
à cette sixième place pour Stoffel Vandoorne. Dimanche soir, nuit de course ici à Singapour avec, vous le voyez, des conditions nuageuses, mais il n'y a pas de risque de pluie sur la ville de Singapour. Le driver of the day du Grand Prix d'Italie avec 65% des voix, quasiment, c'est le plus gros score depuis le lancement lors du Grand Prix d'Angleterre de ce driver of the day. Et c'est Vettel qui a récolté le plus de vos voix. Vous pourrez d'ailleurs également, à l'issue de ce Grand Prix de Singapour, voter dans un straw poll pour élire votre pilote qui sera le pilote du jour. Redécouvrez cette piste dont le record est toujours détenu en 1:50.041 par Daniel Ricciardo avant ce week-end. 23 virages, 2 zones de DRS entre les rues et les stades de foot, hein, pareil. Ici à Singapour, on n'a pas hésité à passer sur des endroits assez exigus. On emprunte également un pont. Les premières images de la grille de départ, vous le voyez plutôt bien éclairé, fort heureusement. La safety car a d'ailleurs éteint ses feux, c'est assez rare pour le mentionner. La 17e place, alors ce n'est pas Max Verstappen, le voici Max, il est là derrière et il est plutôt mécontent. Quelqu'un qui a plutôt le sourire, c'est Lewis Hamilton qui s'est emparé finalement de la pole position. On va y revenir d'ailleurs en voyant un petit peu l'ensemble de la grille de départ. Ici est Daniel Kvyat, une belle pioche également pour les Toro Rosso en Q3 une nouvelle fois. On est plutôt content pour l'équipe de Faenza. Il va falloir se battre, c'est ce qu'a dit Jeff à Stoffel Vandoorne, alors que vous découvrez en notre compagnie la grille de départ de ce 15e round ici du côté de Singapour. Lewis Hamilton sera en pole devant les deux Ferrari, attention, Bottas suit la belle position de Daniel Ricciardo. 7e place pour Fernando Alonso, pardon. Stoffel Vandoorne est bien plus loin, il est 12e, on va le découvrir, voilà, aux côtés de Felipe Massa. On notera la 17e place donc de Max Verstappen, la belle 10e position aussi de Rio Arianto avec la Manor. Verstappen donc 17e et Perez 19e, voilà donc pour les pilotes dont il faudra prendre mention. La grille a été évacuée et les premiers pilotes partent pour le tour de formation ici. C'est parti pour les premiers instants chauds de ce Grand Prix de Singapour sous une tension assez palpable, comme je vous le disais. Okay, Jeff, copy. I feel something strange with the engine. Can you tell me more about this vibration at the start, please, Jeff? I don't understand why I've got this trouble at the beginning of the start. Et ça commence déjà très très fort alors que l'ensemble des pilotes s'est bien élancé pour le début de ce tour de mise en grille. Stoffel Vandoorne qui se plaint déjà à la radio auprès de son ingénieur. Il y a visiblement une vibration au moment où il a démarré. Alors vous le savez, le départ du tour de formation est l'ultime test de calage de l'embrayage avant le vrai départ du Grand Prix. On espère que Stoffel Vandoorne ne se retrouvera pas avec une voiture en difficulté au moment de démarrer ce Grand Prix de Singapour. En tout cas, ce que l'on peut dire à l'issue de cette qualification, c'est qu'elle a réservé pas mal de surprises, comme c'est souvent le cas. Ici, on a toujours un ou deux pilotes qui passent à travers sa qualif, comme on dit. Mais tout de même, la belle 5e place de Ricciardo, c'est à mentionner, la très mauvaise 7e place pour Alonso, qui témoigne avec la 12e de Stoffel Vandoorne de la mauvaise tenue. Et des McLaren, on espère une remontée de la part des hommes en orange. Sinon, ça s'annonce comme pour l'instant la pire qualification de la saison pour l'équipe d'Éric Bouillet. La 9e place de Kevin Magnussen, très belle performance du pilote de la Haas. Alors que sur les images, vous voyez, Romain Grosjean est passé derrière Stoffel Vandoorne, visiblement un petit souci. Mais Romain Grosjean est bien devant Stoffel, il est 14e, mais il n'est pas ici sur l'image. Rio Arianto 10e, je l'ai dit, donc avec la Manor, belle performance. On notera aussi la 13e place de Esteban Gutiérrez, qui a pu terminé 3e au Grand Prix d'Italie suite à une stratégie très très osée avec la voiture de sécurité. Voiture de sécurité d'ailleurs qui a beaucoup de chances de sortir ici dans les rues de Marina Bay. Stoffel Vandoorne donc 15e à l'image, vous le voyez, ça n'est pas, comme je vous le disais, très très bon pour McLaren. Ensuite la 17e place à laquelle on s'habitue, hein, du côté de Max Verstappen, souvent relégué dès la Q1 cette saison. Ce sera le pilote qui aurait été le plus facilement éliminé en Q1 alors qu'il avait une voiture pour passer dans la deuxième partie de la qualification. Et enfin, alors que son équipier Esteban Ocon s'est plutôt bien débrouillé, on notera la 19e place de Sergio Perez devant les Renault Boys qui continuent de souffrir, Nico Hülkenberg et Julian Palmer. Les premières voitures sont déjà placées, les dernières viennent rejoindre leur emplacement
sur la grille de départ et on va partir dans quelques instants pour un Grand Prix qui s'annonce chaud 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 avec beaucoup d'humidité, beaucoup d'action au programme. Les feux qui s'allument à votre gauche, Hamilton à droite, la Ferrari de Kimi Raikkonen, un bon envol des Mercedes, ça a été compliqué pour Vettel. Et c'est Hamilton qui vire en tête. Attention derrière, on essaie de passer à 2-3 de front. Ça s'annonce très très chaud. On a vu Bottas tenter sa chance ici. Attention à contact avec l'une des Toro Rosso qui emmène une manœuvre. Et c'est je crois Esteban Gutiérrez qui est sorti. Il y a également Esteban Ocon qui est là. Alors ça n'a pas fait trop de dégâts, mais voilà, voiture de sécurité. Voiture de sécurité déployée à peine le premier tour de ce Grand Prix de Singapour. Alors, est-ce que certains ont pu déjà gagner quelques places? Non. On n'a pas pu voir l'avantage pris par certains. Et voiture arrêtée au poste numéro 5, évidemment. Il y avait trois voitures impliquées dans ce départ que l'on espère revoir. Et on est donc sous régime de safety car. Esteban Ocon, le Français, suite à ce départ, va donc rentrer au box, changer de capot. Le museau de la Toro Rosso de Daniil Viat doit également être changé. Voilà, ils étaient deux à être repassés par la voie des box avec la manœuvre d'Esteban Gutiérrez qui donc ne profitera pas de sa bonne qualification. À l'issue des trois premiers tours de course, on retrouve Lewis Hamilton au commandement devant la Ferrari de Kimi Raikkonen, Bottas, Vettel. Ce qui confirme donc l'absence des McLaren puisque Alonso est encore très très loin de ces quatre garçons-là qui pour l'instant mènent les débats ici. On va revoir le départ de ce Grand Prix de Singapour avec, je l'espère, différents pilotes impliqués dans l'accident. On va voir Stoffel Vandoorne qui n'est pas passé loin d'ailleurs de l'accrochage. Ah, et ça bloque les roues pour Stoffel déjà dans le premier. On sent que c'est compliqué avec les pneus un peu trop frais. Et là, il essaye l'extérieur sur... Esteban Gutiérrez. Ah non, c'est pas Gutiérrez qui a été pris dans l'accrochage, semble-t-il. Ce serait bien. Oui, oui, c'est Rio Arianto. On va le revoir de toute façon. Ce serait bien Rio Arianto qui est impliqué. Là, voilà, directement la voiture de sécurité. Le grand coup de frein donné par tout le monde. Voilà, on retourne en caméra embarquée dans le passé avec l'Indonésien qui avait pris pourtant un bon envol. Hein. Il était parti pas trop loin. Il était 18e sur la grille. Et on voit devant Alonso passer. Et là, il ne peut éviter la voiture de Daniil Viat en tête à queue. Et il emmène avec lui et la Force India pardon, de Esteban Ocon. On va y arriver. Alors, de nouveau, le départ avec le pilote russe qui également avait réussi un bon envol. C'est dommage parce que ces trois-là avaient une belle carte à jouer dans un Grand Prix d'endurance comme celui-ci. Eh oui, le contact malheureusement avec Daniel Ricciardo. Et Gviat qui est donc piégé. On voit Verlaine ici sur la gauche arrêter. Hülkenberg également. Ah, et pour finir, je pense, le dernier départ depuis la voiture de Sergio Perez également impliqué dans l'accrochage. Comme ça, vous aurez tout vu. On aura vu tout ce qui s'est passé dans ce départ. Que les voitures sont toujours sous l'ordre de la safety car, évidemment. Nous n'avons pas encore relancé la course sous drapeau vert. Ça a été un petit peu difficile de trouver sa place. Perez l'avait pourtant bien trouvé à l'extérieur sur la Renault ici avec Julian Palmer. Et ça passe et il est coincé. Les deux Force India qui ont perdu beaucoup dans cette mésaventure alors que la safety car est déjà en train de rentrer au box. Voilà, safety car in this lap, c'est noté sur votre écran. Et c'est Lewis Hamilton qui va redonner le tempo de ce Grand Prix de Singapour. C'est parti, on roule de nouveau, drapeau vert ici avec donc Hamilton devant Raikkonen, Bottas, Vettel, Sainz, Alonso. C'est le top 6 de ce Grand Prix. On rappelle qu'il n'y aura pas de DRS avant deux tours. C'est la règle lorsqu'il y a eu une voiture de sécurité déployée. On est avec Stoffel Vandoorne qui se bat ici avec Lance Stroll pour l'instant 10e. Et Alonso devant aussi en difficulté. Raikkonen ici à la chasse peut-être de la tête de ce Grand Prix. Toujours avec devant lui la voiture d'Hamilton qui mène donc après un bon envol. Hamilton après avoir concrétisé sa pole ici, Valtteri Bottas 3e, ce fut très succinct. Retour dans le noyau dur du peloton avec un Stoffel Vandoorne dans le mal. Oh, il a beaucoup de difficultés à tenir sa voiture Stoffel. Est-ce que les pneus sont un peu trop froids? En tout cas la McLaren n'est vraiment pas à son affaire, c'est le cas depuis le début du week-end. Stoffel qui a l'impression d'être, dit-il, revenu en,
en janvier 2016 avec la voiture où il fallait tout développer avec Alonso. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour faire une voiture capable d'être championne du monde, mais il y a encore des lacunes dans le développement de cette MCL32 et on le voit aujourd'hui ici à Singapour. Il est en lutte avec Romain Grosjean et Lens. Oh là là, il est passé proche du mur de nouveau. Quelque chose qui ne va pas sur cette voiture, c'est indéniable. En tout cas, elle n'est pas en pleine possession de ses capacités. Un autre pilote, vous ne l'entendez pas, mais qui a des soucis à la radio, eh bien, c'est l'autre Toro Rosso. Après avoir eu Daniil Kvyat en difficulté dans le mur, c'est Carlos Sainz qu'on voit ici à la lutte pour la 6e place face à Daniel Ricciardo. Eh bien, qui est en train tout simplement d'essayer de se battre pour rester devant. La Toro Rosso est en grosse difficulté, c'est ce que l'on a entendu à la radio de l'Espagnol. Une perte de performance, mais pour l'instant il arrive à résister. Oh là là, c'est très très large pour Van Dorn. Est-ce que ça peut passer? Allez, pour Ricciardo, freinage du bout de la ligne droite. Ça résiste évidemment de manière logique pour Carlos Sainz qui va finalement laisser passer son pseudo coéquipier, vous savez, au sein de la structure Red Bull. Tout le monde s'entend bien, même si Ricciardo continue de râler. Hein. Il a été encore une fois le pilote à prendre la parole, puisque Verstappen n'a pas grand-chose à dire au vu de ses performances. Attention, on a une attaque ici. C'est la Haas de Romain Grosjean qui va sans doute s'emparer de la place de Carlos Sainz. C'est fait. Arianto derrière va peut-être en profiter. Arianto qui plonge à droite, il ouvre la porte et il passe. L'Indonésien avec la manœuvre, mais ça n'est pas terminé. Il n'a pas dit son dernier mot. Sainz, est-ce qu'à l'intérieur, il peut reprendre l'avantage des deux voitures très proches. Derrière, Van Dorn va peut-être tenter sa chance pour prendre l'une ou l'autre position. Et Van Dorn qui est bien mieux que tout à l'heure maintenant. On voit le train, hein. Il y a les deux Williams, il y a les deux Haas. Il y a Verstappen également derrière, donc ça n'est pas la joie du côté de McLaren. Avec cette vue aérienne, on se rend bien compte de l'écart qui sépare Van Dorn de ses petits camarades. Et regardez la Williams qui va aller chercher la McLaren quasiment. Lance Stroll qui se rapproche. Voilà, on est en caméra embarquée avec le Canadien. Saison difficile hein, pour Williams et Lance Stroll. Oh là là, attention. Et oui, alerte du côté de Van Dorn. Track limits. La direction de course qui vient de montrer pour la première fois les dents face à un pilote. Jeff, it's a nightmare here. I cannot understand the car at all. It's impossible to drive like this. Et le message de Van Dorn qui est bien en accord avec ce que l'on peut voir sur nos caméras. La voiture est inconduisible. Il se plaint auprès de Jeff. C'est un cauchemar. Et désormais, on a donc Van Dorn et Sainz qui sont au ralenti et qui gênent la progression des pilotes derrière eux. Ils sont nombreux à vouloir passer. Et pour l'instant, le meilleur allié de Van Dorn, ça reste Carlos Sainz qui retient le peloton. On voit passer au premier plan Magnussen, on voit Gutiérrez, on voit donc Van Dorn maintenant avec derrière. Oh, attention, l'attaque peut-être de Romain Grosjean qui va à son tour se débarrasser du pilote espagnol. C'est fait. Grosjean qui passe. Un Carlos Sainz toujours plus en difficulté. Alors il faudrait peut-être revenir sur ce qui se passe en tête de course. Ce serait bien d'avoir un petit point tout de même sur la tête, même si je peux déjà vous dire que c'est toujours bien évidemment Lewis Hamilton qui mène. Voilà la lutte pour la troisième place avec Bottas et Vettel. Vettel qui déboîte à la hauteur du Finlandais. Est-ce qu'il peut prendre la troisième place? Il rentre côte à côte dans le premier. C'est l'avantage pour Sébastien Vettel. Bien joué. La Scuderia Ferrari qui place donc ses deux voitures sur le podium provisoire. Mais attention parce que devant ça peut encore bouger. Regardez Hamilton avec Raikkonen au premier plan. Ils sont chauds. Raikkonen à l'aspiration. Est-ce que Raikkonen peut prendre la tête de ce Grand Prix de Singapour? Oh, et Hamilton qui résiste. Et Hamilton qui perd la tête, il faut le dire. Voilà, c'est fait. Raikkonen s'empare du commandement de ce Grand Prix de Singapour au prix d'un dépassement d'école. À l'intérieur, au bout de la ligne droite, on ne pouvait pas faire mieux. Retour sur la lutte juste derrière avec Vettel qui lui aussi a pris l'avantage sur la voiture de Valtteri Bottas. Retour avec Van Dorn dans le 8e des 31 tours de ce Grand Prix. Et au programme, ça s'annonce difficile. Regardez le comportement et écoutez le moteur de la McLaren.
Difficile de croire que tout va bien à bord de cette auto, parce que là on est loin d'être au maximum de la capacité de la voiture, ça c'est clair. Attention, arrêt aux boxes. Arrêt aux boxes des leaders, et ce sont les deux voitures de tête qui se présentent mutuellement, avec donc Raikkonen et Hamilton. L'arrêt des deux côtés, on monte des pneus ultra soft de nouveau pour Raikkonen. Et je pense que la stratégie a été imitée du côté de Mercedes. Pas vu avec quoi a été ressorti Hamilton. Jeff, I can't go faster than this. It's impossible. I don't know what's happened to the car. It's impossible to go faster. I try to check everything, but I have a lot of I'm losing a lot of power on the big straight, and the front end of the car is nowhere, absolutely nowhere on every corner. Eh bien, ça commence à sentir le roussi du côté de Stoffel Vandoorne. En traduction rapide, la voiture est nulle part, je ne peux rien faire avec le train avant qui est totalement imprévisible, c'est dangereux, et la voiture a des pertes de puissance dans les grandes lignes droites. Est-ce que l'on est en train d'assister à une casse moteur du côté de... Oh, attention, du côté de Vandoorne, Vandoorne qui est allé un peu au large, je me demande même s'il n'a pas touché le mur. Ce serait bien la troisième fois ce week-end qu'il va toucher ce mur. Romain Grosjean à l'image. Le pilote français en caméra embarquée sur le museau. Très belle caméra. Ça vous donne aussi une idée de l'éclairage qui entoure ce circuit. Près de 3000 projecteurs qui longent cette piste de Singapour. On est avec Felipe Massa, le Brésilien, qui devrait, lui, prendre sa retraite à la fin de l'année. Allez, deuxième salve d'arrêt du côté des leaders après Raikkonen et Hamilton. C'est au tour de Vettel et Bottas. Va-t-on assister à la même stratégie? Oui, des ultra soft pour tout le monde. Eh bien, les quatre voitures de tête sont sur la même option d'arrêt. Et nous avons de nouveau Esteban Gutiérrez qui montre le bout de son nez en imitant la stratégie des leaders. C'est intéressant. Et oui, effectivement, il monte un deuxième train de pneus ultra soft. Bien joué, Esteban. Marcus Ericsson également, avec la Sauber qui n'est plus tout à fait soutenue par BMW. En tout cas, ça devient difficile à assumer pour le constructeur allemand. Attention, Vandoorne qui est en bagarre avec Lance Stroll ici dans la ligne droite. Et Stroll qui passe, et on se bat pour la tête de course, puisqu'avec les arrêts, évidemment, les pilotes ont perdu du temps. Et ici, c'est Romain Grosjean qui s'empare de la deuxième place au nez à la barbe de Vandoorne, qui va tenter sa chance peut-être pour résister. Oh, et non, c'est passé, on a donc Stroll en tête devant Grosjean. Alonso derrière a déjà ravitaillé. Jeff, please check the brake balance. Check the brake balance, please, Jeff. Vérifie la balance des freins, hurle Vandoorne à son ingénieur. Et il a bien fait, parce qu'il y a de nouveau un blocage de roue du côté de Vandoorne. Ça ne va plus. Ça ne va plus du côté de McLaren. La voiture ne répond absolument pas aux demandes de Stoffel, et ça risque de poser des problèmes si ça va plus loin que ça. Regardez, il est absolument à l'arrêt dans tous les enchaînements. Alors heureusement, oh, il va même jusqu'à couper quasiment la piste. Et on a donc au jeu des ravitaillements la voiture du Canadien Stroll au commandement devant Grosjean, Vandoorne, Massa. Classement inédit ici, alors que Massa est attaqué déjà par, je crois, la voiture de Ricciardo. Et effectivement, la lutte pour la tête de course qui oppose bien Romain Grosjean à Lance Stroll. Ça n'est pas une erreur d'affichage, vous ne rêvez pas. Et quelques jours plus tard, Stroll est toujours en tête, mais ça se resserre avec, regardez derrière, Vandoorne qui doit se battre avec une voiture extrêmement instable. Ah, on prend des risques, hein. On prend des gros risques du côté de McLaren pour garder Stroll et Grosjean à bonne distance. Mais il souffre, Stoffel, c'est un dédiable. Alonso également pris dans le trafic. Il est devant les deux Mercedes, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, effectivement. En premier plan, c'est Esteban Ocon qui semble bouchonner légèrement. Et oui, les voitures avec des stratégies diverses, ça peut nous provoquer ce genre de situation avec un pilote plus lent qui bouchonne. Oh, attention, il y avait Toro Rosso qui a tenté sa chance. Alonso qui va créer la troisième ligne, peut-être, pour prendre deux voitures au freinage. Est-ce que l'Espagnol peut compléter son dépassement? Il est malheureusement à l'extérieur. Il va ne plus pouvoir bénéficier de la trajectoire. Alonso qui touche le mur, attention. Alonso qui est allé déposer sa McLaren contre le mur.
Oh, et la Renault d'Hülkenberg également prise entre deux feux, qui ne sait plus trop où se mettre là, avec la Ferrari à ses trousses. Oh, il plonge, Raikkonen autoritaire qui s'empare de la place de Nico Hülkenberg. Alors tout ceci évidemment a une importance puisqu'on est dans le trafic en plein milieu d'une stratégie différente. Et là où Alonso et Raikkonen sont passés, on a encore une voiture à doubler du côté de la team Mercedes, hein, avec donc Bottas et Hamilton bloqué toujours derrière Hülkenberg. Raikkonen s'est libéré un petit peu. Devant, il y a toujours donc Alonso à la chasse de, je crois, Carlos Sainz, hein, les deux hispaniques en lutte. On remonte un petit peu dans le haut du classement avec la tête de course entre Stroll et Romain Grosjean qui n'ont toujours pas ravitaillé. Ah, ça fait de la visibilité pour les sponsors des deux petites équipes qui en ont bien besoin. Vendôme toujours 3e, 4e. On retrouve l'autre Williams, celle de Felipe Massa. Parce que là, vont s'attaquer, hein. Il peut aller chercher Lance Stroll sans problème. Romain Grosjean qui ne déboîte pas. Ah, il a tenté, mais c'était de l'intimidation. Il n'a pas porté à la hauteur de la Williams sa as. Bien que c'était chaud entre les deux hommes, avec toujours l'avantage pour Lance Stroll, qui n'aura pas mené, je pense, autant de tours depuis l'époque de la Formule 2, anciennement appelé le GP2 évidemment. Et Vendôme qui, mine de rien, reste troisième. Il peut encore espérer gagner quelques points, mais là, c'est un petit peu sauf qui peut. Oh là là, oui, il bloque ses roues, et ça doit être très très difficile et très long d'ailleurs. On est à peine au stade de la mi-course, hein. Même pas, il y a 13 boucles effectuées sur les 31 du programme de ce Grand Prix de Singapour. Et je ne pense pas que Van Dorn soit en état de rester longtemps avec ses pneumatiques. Alors évidemment, il y avait une option d'effectuer un arrêt de moins en partant en pneus soft. Mais Van Dorn n'a peut-être pas opté pour la meilleure option. Certes, il gagne un arrêt, mais il va perdre beaucoup de temps en piste face à ses adversaires. Et il risque surtout d'évoluer avec une voiture dangereuse. Et c'est malheureusement, je crois, ce qui est en train de se passer ici à Singapour avec Van Dorn en difficulté. Il parvient à peine à tenir les deux voitures de tête. Attention, alerte chez Haas, Romain Grosjean qui rentre. Romain Grosjean, retour du Français qui n'aura donc pas mené ce Grand Prix pour le moment. Des mécaniciens de l'équipe AS de jouer et ça repart. On avait un arrêt derrière également pour, je crois, Sergio Perez sur la Force India. On explique à Van Dorn qu'ils sont plus rapides que la voiture devant eux. Ce qui est rassurant dans un sens, puisque ça reste une simple Williams pilotée par Lance Stroll et pas non plus une Mercedes ou une Ferrari. Tiens, en parlant de Lance Stroll, le voici au box, l'arrêt du leader, laissant ainsi et bien Van Dorn en tête. Ça paraît paradoxal, mais il est en tête, mais il est très très proche derrière, hein. Le pilote Ferrari aux trousses de Van Dorn. L'arrêt aussi pour Pascal Wehrlein avec la Sauber. Sauber qui a pu profiter d'une jolie stratégie du côté de Monza en glanant les premiers points de la saison. Les premiers points pour l'équipe Sauber. Oh là là, oh là là, Van Dorn qui part très large. Attention, et oui, ça passe pour la Ferrari de Sébastien Vettel, évidemment. Van Dorn, passager d'une McLaren en détresse. Ça pourrait être le résumé de ce Grand Prix de Singapour qui est, je pense, le pire pour l'équipe McLaren depuis longtemps. Et bon, comme disait Hamilton, il y a toujours un Grand Prix où ça ne se passe pas bien. Et cette fois-ci, eh bien, ce sera pour l'équipe McLaren. Mais il y a toujours un Grand Prix dans la saison, on peut faire ce qu'on veut, ça ne marche pas.
Et donc on se retrouve avec Sébastien Vettel en tête de ce Grand Prix devant Van Dorn en difficulté. Esteban Gutiérrez, je crois, troisième avec la Manor. Et tous ces pilotes-là sont pour l'instant soumis aux rumeurs du Mercato. Vettel chez Mercedes, Van Dorn chez Ferrari. Pourquoi pas, ça reste des rumeurs. On espère aussi garder leurs deux pilotes du côté de chez Ferrari, mais on voudrait deux numéro 1. Et pour l'instant, eh bien, Raikkonen est un petit peu en train de se faire distancer. C'est un peu la crise pour Raikkonen, même s'il a ultra dominé le Grand Prix de Belgique. Ça lui a fait du bien au moral, mais n'empêche, au-delà de cette pige formidable, regardez, il est en lutte ici avec Esteban Ocon et c'est toujours très compliqué pour Raikkonen de devancer à la régulière Vettel. Hormis quelques coups d'éclat intéressants, certes, eh bien, il ne peut pas pour l'instant se défendre. Attention, les deux, Mercedes également, ça chauffe aussi, hein. Avec Bottas qui devance Hamilton, c'était pas prévu au moment où le Finlandais a signé son contrat en début de saison pour remplacer Nico Rosberg. Ici, il va sans doute aller chercher à l'intérieur Lewis Hamilton et... Oh, le contact ! Les deux voitures se sont touchées et Valtteri Bottas qui est arrêté dans le mur. Attention, drapeau jaune ! On l'évite de justesse ! Voiture de sécurité virtuelle, évidemment ! Voiture de sécurité virtuelle, évidemment, Valtteri Bottas qui repart ! Mais le contact entre les deux Mercedes, on n'avait pas besoin de ça, et Van Dorn au box ! Van Dorn au box à la fin de la procédure de voiture de sécurité virtuelle. Peut-être quelque chose à sauver. Ça rentre également pour la Manor. Oh, Valtteri Bottas qui nous aura donc gratifié d'une superbe figure. Il va donc rentrer au box. Il y a un aileron avant cassé sur cette Mercedes. Et on en profite évidemment pour jouer des stratégies. On remonte un train de pneus super tendre chez Van Dorn. Et 5 secondes de pénalité pour Rio Arianto qui a été trop loin. Et il vient de les... observez ces 5 secondes. Ah, il a été trop loin par rapport aux track limits. Et le retour de Bottas, voilà, qui repart avec un museau neuf et des pneus. Quoi, ce sont des pneus super tendres. J'arrive pas bien à voir d'ici ce qui a été monté sur la monoplace noire. Alors oui, des pneus super tendres. Eh bien, on va aller au bout pour ces pilotes-là. Et Van Dorn maintenant a des pneus pour se battre. Il va aller chercher Marcus Ericsson assez facilement au freinage. Oh, Ericsson qui résiste et ça passe pour Stoffel, Van Dorn qui se retrouve donc désormais à une bien médiocre 14e position. Ça s'annonce compliqué de ramener des points, mais il ne faut pas oublier un certain Fernando Alonso qui pour l'instant est 6e de ce Grand Prix. Il y a devant lui encore une ou deux voitures qui doivent ravitailler, donc si Alonso fait 5e, ça peut déjà faire beaucoup, beaucoup de points de prix pour l'Espagnol. Oh, Alonso, oui, qui est en train de faire le premier secteur au moment où Van Dorn lui était proche du mur. Les barrières Armco qui se rapprochent pour Van Dorn, qui est complètement assez le jour et la nuit avec la course de Monza. Vous m'excuserez ce jeu de mots un peu facile, mais il est vrai qu'ici, Van Dorn est complètement submergé par le déroulement de la course avec une voiture qui a été blessée. Il est sorti en qualif, en essai, il n'a pas participé à la 3e séance. On a déjà changé un bloc du côté de chez Honda. Est-ce que les vieux démons de 2014 sont en train de revenir ? Et c'est au pire moment puisqu'on est en train de jouer de manière décisive un titre de constructeur là où Ferrari revient très très fort et Mercedes aussi depuis l'Allemagne. Donc est-ce qu'on est en train de vivre une crise, un début de crise chez McLaren ? Ce serait absolument catastrophique alors que tout leur souriait jusque-là, mais une saison c'est très long. Ici on a Daniel Ricciardo qui va se débarrasser de Pascal Wehrlein au passage de la pit lane. Oui, Wehrlein qui a finalement soulagé. On voit devant Bottas hein, qui fait partie des pilotes à avoir également stoppé suite à ces plats qu'il avait sur les 4 pneus avec la grosse sortie. Il s'en sort bien parce que pour le même prix on aurait pu avoir un accident avec 3 voitures impliquées. L'attaque ici du Français, Esteban Ocon peut-être sur Pascal Wehrlein. Oh, est-ce que ça passe? Oui, c'est fait. Belle manœuvre incisive de la part du Français. Et l'Allemand qui est donc battu, Pascal Wehrlein qui se laisse donc dépasser par Ocon. Sauber qui souffre de nouveau et il y a pourtant de l'audace dans les stratégies de la petite équipe de Monisha Kaltenborn qui, d'ailleurs on le sait désormais, ça n'a pas été évoqué, mais l'année prochaine, ce ne sera plus un bloc Ferrari qui animera cette Sauber, mais un bloc Honda. Et la signature a été faite en marge de ce Grand Prix de Singapour, alors qu'une monoplace déjà motorisée par un moteur Honda se présente dans la pit lane en la personne de Fernando Alonso. On est prêt également chez Ferrari.
Alors, les hommes en noir qui vont recueillir les pneumatiques super tendres. Et on change le museau. Ah, on change le museau de la voiture d'Alonso. Ouais, c'est une catastrophe ce Grand Prix. Pour McLaren, il n'y a pas d'autre mot. Et il perd du temps avec Esteban Gutiérrez qui rentre. Le Mexicain chausse à son tour des pneus super tendres. On est prêt aussi à accueillir Pascal Wehrlein du côté de chez Sauber. Attention, Van Dorn qui se fait déborder. Regardez ça, il est déposé par Pérez qui le pousse. Oh là là là, ça chauffe en piste. Ericsson, des pneus super tendres, ça repart. Alors qu'on faisait le point du côté de Van Dorn, c'est pas la folie. Okay, Jeff Copy, just to let you know, I feel like I'm losing some power. Again, I got some misfire on the big straight, so please check the engine, Jeff. Check the engine, please. J'ai des ratés dans les grandes lignes droites. Stoffel Van Dorn en grosse difficulté. Va-t-on assister à un nouveau souci moteur pour le bloc Honda? Ça n'est pas impossible, en tout cas avec Alonso. McLaren souffre et c'est une belle opportunité pour Ferrari et Mercedes de recoller au classement constructeur et au classement pilote avec un Sébastien Vettel désormais à 153 unités. Attention, Van Dorn de nouveau encore très large. Ok, Jeff, still difficult for me with the front of the car, I'm losing a lot of grip. Where is Alonso? C'est un cauchemar pour Van Dorn, c'est ce qu'il disait à la radio, alors que derrière ça passe pour Raikkonen qui se débarrasse de Pérez. Et effectivement, hein, Alonso et Van Dorn qui continuent à dialoguer avec leur ingénieur depuis leur voiture pour expliquer que c'est à la limite du pilotable et qu'on se demande si ça n'est pas mieux peut-être de préserver la mécanique. Regardez ça, Van Dorn qui freine à 150 mètres et qui n'a pas encore arrêté au milieu du virage. C'est assez ridicule, je dois vous l'avouer, mais parfois ça se passe comme ça, le blocage de roue ici à l'épingle avant de prendre le grand pont. Et on confirme du côté de Jeff à Stoffel Van Dorn qu'il y a un problème de fonctionnement du côté du moteur, de la power unit de cette McLaren. L'autre voiture d'Éric Bouyer s'en sort plutôt pas mal pour le moment ici à la lutte avec Fernando Alonso, on retrouve la Red Bull, semble-t-il, de Daniel Ricciardo. Verstappen est plus loin. Verstappen qui est beaucoup plus loin au classement. Même s'il a pu remonter quelques places, c'est pas facile de doubler non plus sur un circuit urbain. Van Dorn maintenant à 20 tours couverts. Voilà. Nous sommes proches de la dernière partie de course. Et Van Dorn est 6e, pour l'instant ce sont de gros points, sauvés également par Felipe Massa 5e. La tête de course avec la stratégie de l'équipe AS, Romain Grosjean mène devant Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen. À la régulière, on devrait retrouver d'ailleurs les deux Ferrari en tête, ce qui n'est plus arrivé depuis très très longtemps en Formule 1. Le dernier doublé en course remonte, je pense, à 2007, alors qu'on vous annonce dans le bas de votre écran que vous pouvez vous rendre et bien dans la description pour élire votre driver of the day, le pilote du jour. Pour l'instant, ça peut être aisément Romain Grosjean ou Lance Stroll qui ont tous deux réussi avec leur stratégie à mener ce Grand Prix. Mais Romain qui a pu faire beaucoup mieux. Regardez, voilà le fameux pont sur lequel on passe. On est avec Vettel qui va sans doute de manière assez rapide tenter sa chance sur Grosjean. Ça ne passe pas pour Sébastien. Vettel toujours deuxième, mais dans l'extracteur d'air de la Haas de Romain Grosjean, qui ne va pas gagner à la régulière, on le sait, mais qui va tout faire pour garder un maximum de temps à l'antenne pour les sponsors. C'est toujours cela de prix. Et derrière, on a Lance Stroll, évidemment. Donc Stroll et Grosjean sur une stratégie avec un arrêt de moins. Mais attention, Vettel va passer sans doute avec l'aide du DRS dans quelques instants, voire dans la ligne droite des stands. Vettel qui sort plus que jamais proche de Romain Grosjean. Ça déboîte pour la Ferrari et sans difficulté, Vettel reprend le commandement de ce Grand Prix. Attention, Grosjean qui essaie de résister, mais
De manière logique, le Français se ravise et il a bien fait. 21e, il reste 10 boucles dans ce Grand Prix. Stoffel Vandoorne qui est en train de souffrir. Raikkonen est passé. Il est 6e, Kimi. Perez derrière Vandoorne également. Je pense que si Stoffel ne ramène qu'une seule unité à la fin du Grand Prix, il aura gagné sa course parce que là, c'est un cauchemar pour l'instant chez McLaren. Alors il y a encore des pilotes qui doivent ravitailler, bien sûr. On n'est pas à l'abri de voir remonter d'autres pilotes et crouler certains. On pense à... Oh, le contact avec le mur ! I touch the wall, Jeff. Oh, et Perez qui passe ! Jeff, I'm losing too much time. What's wrong with the car? We never experienced something like this since the beginning of the year. Please check. I don't know if it's a solution to retard the car, but it's impossible to drive. Et c'est un SOS d'un pilote belge en détresse. Vandoorne demande s'il ne devrait pas mieux retirer la voiture du Grand Prix. Il vient de se faire avaler sur 100 mètres par Hamilton et par Perez avec une Mercedes, c'est compréhensible, mais une Force India, c'est une catastrophe. Il est désormais maintenant acculé par Pascal Wehrlein. Il a un aileron avant abîmé et ça rentre au box. Ça rentre au box pour Vandoorne. Quelle crevaison à l'arrière droit! Vandoorne qui est crevé à l'arrière droit, on ne l'a pas vu. Crevaison à l'arrière droit pour Stoffel Vandoorne qui rentre au même moment que Nico Hülkenberg sur la deuxième Renault. Et là, s'il y a eu contact avec le mur, on va peut-être décider de stopper parce que ça devient très dangereux. Vandoorne avec un pneu arrière droit crevé. On remonte un train de pneus ultra soft, mais il va ressortir où? Il est 17-18e maintenant. Ça continue de passer devant nous ici. Il est 20e place pour le Belge. Eh bien, il n'y a plus rien à espérer dans ce Grand Prix de Singapour pour McLaren et pour Vandoorne. Il va falloir rapidement espérer peut-être, je ne sais pas, une voiture de sécurité pour recoller au peloton. Mais dans ces conditions, ce serait simplement rallier l'arrivée, l'objectif le plus logique du pilote belge. Mais quelle désillusion, quelle déception. On se rappelle que l'année passée, ce Grand Prix avait déjà été décisif pour Sébastien Vettel qui, au volant de sa Ferrari, s'était retrouvé à 3 tours de l'arrivée alors qu'il était en tête à l'abandon, moteur cassé. Et ici, ce sont les murs qui auront eu raison de McLaren. Quelle course difficile. Alors que vous pouvez, on vous le rappelle, donc voter pour votre driver of the day. Et pour l'instant, Vettel est bien parti pour peut-être remporter de nouveau le titre. Peut-être pas de manière aussi significative que lors du Grand Prix d'Italie, mais il est l'un des hommes marquants de ce Grand Prix. Alors on rappelle évidemment qu'un driver of the day... Oh, Vandoorne qui a un souci! Vandoorne qui a un souci, la voiture qui fume, est-ce que ce ne serait pas la transmission? Il a tiré tout droit. Vandoorne qui a tiré tout droit avec une légère fumée sur la voiture, est-ce que ça venait du pneu? Dave, I have a strange feeling on some gear change. Could you check the engine again? Okay, at this rate we'll finish with a little extra fuel. So you have some in hand to put a faster engine mode for a bit. Yes, Jeff, I know for the fuel, but it's just an option for me to finish the race, honestly. Est-ce que c'est une option de terminer la course? Stoffel s'adresse à son ingénieur de manière assez incertaine, il faut l'admettre. Et désormais dans un no man's land, Stoffel Vandoorne qui conclut de nouveau un des plus lents tours de ce Grand Prix, alors que son équipier, lui, par contre, est toujours en piste parmi les pilotes les plus rapides. Allez, on retrouve la bagarre ici avec, semble-t-il, Esteban Gutiérrez, avec Kevin Magnussen ou Romain Grosjean. C'est bien Romain Grosjean qui s'est arrêté une dernière fois pour chausser un train d'ultra tendre, ce qui l'a fait rentrer dans le rang. Et on voit Arianto au premier rang, donc c'est bien Gutiérrez. Ici, on voit Esteban Ocon. Et attention, l'attaque de Grosjean à l'extérieur. C'est osé et ça passe. Le Français qui se débarrasse du Mexicain qui avait terminé donc 3e lors du Grand Prix précédent. Incroyable, cet Esteban Gutiérrez qui avait récolté d'ailleurs une vingtaine de 2%. Il est arrivé derrière Sébastien Vettel en
en termes de popularité à l'issue de ce Grand Prix d'Italie 2017 de Formule 1. Ici, nous sommes à Singapour dans les dernières boucles de ce Grand Prix. 21e place pour Stoffel Vandoorne. Ça souffre du côté de chez McLaren. Oh là là, oui, il y a un gros problème sur le moteur. Oui, on ne parvient pas à passer les rapports de boîte du côté de Vandoorne et le moteur était déjà dans le rouge. Alors qu'en tête, Vettel semble désormais inarrêtable. Ce sera plus que probablement le pilote de la Scuderia Ferrari qui va imposer sa machine de Maranello ici à Singapour. Et ça ferait... aurait pu faire deux victoires consécutives hein, s'il avait réussi à se débarrasser de Stoffel. Attention, Stoffel Vandoorne ici qui est proche. Oh, Vandoorne qui touche le mur et qui crève. Crevaison de Stoffel Vandoorne. Yes, yes, I'm coming back to the pits at the end of this lap. Back to the pits at the end of this lap. Vandoorne sur trois roues. Attention, il y a peut-être des débris alors que Raikkonen est en train d'aller chercher la deuxième place. Il double Max Verstappen. C'est fait, les deux Ferrari sont devant. Les deux Ferrari sont devant, mais Verstappen a encore un arrêt à recevoir de la part de son équipe. Vandoorne qui tente de ramener la voiture. Elle est blessée, cette McLaren, sur trois roues. Incroyable, Stoffel Vandoorne sur trois roues. Drapeau jaune qui entoure la McLaren. Attention au passage du freinage qui est là à l'extérieur. C'est une Toro Rosso, c'est Carlos Sainz qui passe. Sainz qui était ralenti après lui aussi avoir été pris dans l'accrochage. Alors que là, la caméra est un petit peu perdue. Alors voilà, on retrouve des Formule 1. C'est un petit peu pour cela qu'on est venu, monsieur le réalisateur. Ah ouais, Ricardo qui est pris également dans les retardataires. On voit Verlaine, on voit Magnussen, on voit Palmer ici au premier rang. Est-ce que Vandoorne a rejoint la voie des box? Parce que si la suspension de la McLaren est abîmée, c'est fini. Ça peut être le premier abandon de la saison pour Stoffel Vandoorne. Et il a de la chance malgré tout que Alonso ne soit pas en condition de lui mettre 25 points dans la vue. Et c'est dommage pour le spectacle. On aurait aimé qu'Alonso soit à son affaire. Mais si Vandoorne et Alonso ont des soucis, c'est bel et bien le problème de l'équipe McLaren Honda. Voilà, Vandoorne aux box. Vandoorne aux box. Est-ce qu'on va changer aussi le museau de cette voiture? Attention, elle ne veut pas aller percuter les mécaniciens. Non, ça va, la voiture qui reçoit un nouveau train de pneus ultra soft. 3 secondes 5, on a vérifié évidemment les barres de poussée des suspensions de la McLaren. Il reste 5 tours dans ce Grand Prix. Vandoorne va sans doute nous donner un aperçu de ce que donne sa voiture. Il est très lent, Vandoorne, avec les drapeaux bleus. Ok, Jeff. Some update on the car. I have a real feeling on the rear right. I think we just have to stop this race. It's too dangerous. And now I'm last, and I have some blue flags around me. We're losing too much time, Jeff. It's better to finish this race, no? Et Vandoorne, la mort dans l'âme, qui demande s'il ne doit pas arrêter sa voiture parce que là, il est dernier. Il use le moteur. Il y a des drapeaux bleus de partout. Les points sont à oublier, il reste 5 tours dans ce Grand Prix. Regardez Vandoorne, tel un vulgaire retardataire, laisse passer ses petits camarades. Vandoorne qui est au ralenti. Vandoorne qui est au ralenti, laisse passer désormais Gutiérrez, Ocon et Palmer. C'est Lance Stroll, pardon, sur la Williams. Palmer était passé avant. Jeff, it's too dangerous, I can't continue. I stop the car now on the track. I can't go back to the pit. Et c'est terminé chez McLaren, on a décidé de ranger la voiture. Le premier abandon de la saison, c'est maintenant, où va-t-il s'arrêter? Attention, là il a une échappatoire. Et c'est terminé, premier abandon de la saison pour la McLaren numéro 91. Et il va reculer dans l'échappatoire, dans la baïonnette. On va revoir ce qui s'est passé. Il était déjà très très lent, mais... semble-t-il, depuis vendredi, un souci sur cette voiture. On a changé le moteur déjà en troisième séance d'essai libre, mais ça n'a pas suffi. Et c'est désormais la fin du Grand Prix de Singapour pour Stoffel Vandoorne. On va découvrir dans quelques instants la partie finale du Grand Prix avec le classement général et la victoire de Sébastien Vettel. Voilà, il s'arrête, c'est terminé pour la McLaren Orange. Fin des aventures ici et Maurizio Arriva Bene qui se soulage lui aussi puisque la victoire revient à Sébastien Vettel ici du côté
de Singapour après l'abandon de Van Dorn. Donc on retrouve à la deuxième place Kimi Raikkonen, doublé des voitures de Maranello. Ça fera plaisir à bon nombre de spectateurs, supporters de l'équipe italienne. Voilà, Raikkonen, Vettel et Hamilton, le podium de ce Grand Prix de Singapour qui aura donc coûté très cher à l'équipe McLaren. Vettel vainqueur, victoire du pilote allemand, le champion du monde qui va donc pouvoir célébrer tout cela avec le champagne. Voilà, l'occasion pour nous de nous tourner vers l'avenir et de vous parler du prochain Grand Prix. Ce sera du côté et de Sepang en Malaisie. La période des pluies est annoncée, il va peut-être faire mauvais, en tout cas pour l'instant c'est grand soleil. Et c'est la fête qui se prépare du côté de la Scuderia Ferrari avec la victoire de Sébastien Vettel devant Kimi Raikkonen, Hamilton et Verstappen avec un arrêt de moins. Très belle stratégie également des Williams qui se place avec Esteban Ocon dans les points également pour l'équipe Force India. Le classement général avec 30 points d'écart entre les hommes de tête, ça remonte pour Romain Grosjean, 13e. 13 points désormais, 15e, le pilote français au classement constructeur. Pas de changement si ce n'est Haas qui repasse devant l'équipe Renault. Voilà donc pour ce Grand Prix de Singapour, théâtre de la première partie de cette tournée asiatique. Pardon. Et on va refermer ce premier chapitre avec l'abandon de Van Dorn. Rendez-vous donc du côté de Sepang en Malaisie pour la suite de ce championnat 2017 de Formule 1. D'ici là, portez-vous bien. Merci à tous et à la prochaine. Au revoir.